Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis encore en pyjama, je suis lavée, maquillée. J'ai lissé mes cheveux avec une petite nouveauté. Et aussi, il faut que je m'habille pour vous montrer les deux, ce que j'avais dit, les deux façons, enfin des petites idées pour porter mes cuissardes. Je les aime tellement. Il est que 11h20, mais j'ai déjà super faim. Je vais me faire des petites pâtes, donc un apport de féculents, du poulet et des carottes. Ça va être parfait. Alors, première façon de les porter, tout simplement avec un jean slim, hein, près du corps. Hier, je l'avais avec un jean qui était plus foncé. Ça passe super bien. J'ai rajouté donc cette veste qui est assez asymétrique. On est d'accord que le résultat, ça passe bien. Hein. Moi, j'aime bien donc porter les cuissardes également donc avec un pull qui est assez mi-long, qui tombe en dessous des fesses. Comme je les porte. Alors on peut également, je pense, mettre des, comment ça s'appelle, leggings, ouais, petit legging noir. Et là je vais essayer avec une jupette. Ensuite, ce deuxième look, donc c'est avec une robe patineuse, des collants. Bien évidemment, les collants, on peut les décliner, c'est ça qui est sympa, hein, mettre plus clair, plus foncé, irisé, pailleté, ça rend bien. J'ai mis la veste en jean, hein, forcément pour casser parce que c'est court, enfin ma robe est courte. Je suis mais vraiment, vraiment très contente de cet achat. Comme je vous ai dit juste précédemment, j'ai lissé mes cheveux ce matin avec une nouveauté que j'ai reçue hier. C'est un nouveau lisseur. Donc si vous me suivez, j'avais reçu un lisseur il y a peut-être 10 mois de ça. Le problème, c'est qu'Eric, il fait 1m92, 93 kg à peu près. Un matin, il a marché dessus. Forcément, le lisseur n'a pas survécu. Donc je galérais avec un tout petit, vous savez, qui fait mèche par mèche. J'ai donc demandé à recevoir sur le site Octoly, gratuitement. Celui-ci, c'est de la marque 200 Jeremy Hinton. C'est en fait une innovation. Comme ils disent, ce sont les premières plaques suspendues au monde. C'est le lisseur AirPlat que j'ai testé déjà deux fois, donc hier, aujourd'hui. J'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'en un seul passage, vous avez le résultat escompté. Donc c'est ce qu'on aime. On a également à ce niveau-là, donc on appuie longuement et on a 5 vitesses, on a un petit schéma donc en fonction des petites lettres qui s'allument de 1 à 5 en fonction de vos cheveux s'ils sont sensibles, fins, épais, normaux. Très pratique. On a également le petit cordon rotatif et le verrouillage juste ici qui est pour moi indispensable. Le design, bah, il est juste super joli, donc je suis très contente, je l'ai utilisé deux fois et bah voilà quoi. Ça rend les cheveux soyeux, tout doux en un seul passage. Autant dire que je suis vraiment ravie. Mon porte-courrier, je vous montre donc à la lumière, c'est mieux. J'hésite encore, comme d'hab, l'emplacement. Et toutes ces parties blanches là, je pense que je pourrais customiser, soit mettre des stickers, soit écrire carrément avec de l'indélébile, ça peut être bien. Voilà, donc j'hésite soit le mettre ici, voyez, ça serait un peu en biais. Ou alors le mettre là, mais j'ai peur que ça fasse trop chargé. Mais en attendant, j'ai trop faim. Voilà, j'ai mangé trop tôt, mais maintenant j'ai faim. Et lui aussi, allez. Je vais me faire un fromage blanc avec des petites amandes et des goji. Ouais. Je vais me préparer ma petite mandarine pour ce soir, je vais la mettre en gel. De retour. Alors ça, je pensais dans un premier temps peut-être le mettre là comme ça, je m'en rends pas compte, je vais visionner ou plus bas peut-être. Alors ça fait bien une demi-heure que je tourne en rond. Je sais que j'avais acheté tout un kit, hein, de vis, de tout ça, impossible de mettre la main dessus, donc mince, je voulais déjà le mettre moi, mais tant que j'ai pas retrouvé, c'est pas possible. Faut que j'aille à la supérette. J'ai envie de faire un petit repas sympa ce soir parce que je sais qu'Eric va être crevé. Il a deux conseils de classe, donc comme ça, quand il reviendra, je vais faire des spaghettis bolo. Ça faisait longtemps. Il me manque juste des spaghettis et des petits oignons. Ouais. Peut-être un peu de crème dedans, un peu légère, ça va être bon. Voilà, donc en plus, je vais prendre l'air. Je suis surprise à chaque fois par ce froid. Je suis tellement bien au chaud chez moi, mais il faut que je me force à sortir. J'ai mis mes petites cuissardes, je suis bien dedans. Ah, j'ai déconné, j'aurais dû prendre les gants. Ouf. Avant d'aller à la supérette, je voulais passer dans cette petite librairie qui est déjà super jolie
pour voir un peu ce qu'ils proposaient en nouveauté. Et puis ça peut donner des petites idées cadeaux. Regardez le coin enfant, comme c'est joli comme tout. Tous les petits doudous, les peluches. Je vous en prie, bonne journée, madame. J'ai envie de me faire du mal juste pour voir si ça me donne envie. Parce que là, on est sur une très très belle boulangerie quand même. Alors, en toute honnêteté, oui, ça me donne envie. J'ai trouvé un joli cadeau. J'ai fait emballer tout, bien sûr, je ne vous montrerai pas. Mais j'aime beaucoup. Bon, j'étais chez Pantachop parce que je cherche toujours... désespérément des bottes côtes, mais pff, ça se fait plus. J'aime tellement cette forme, moi, mais non, il n'y a plus. J'ai eu froid, j'ai eu tellement froid que je rêvais que d'une chose, c'était de rentrer et de mettre ma couverture. Robe de chambre, ça ira. J'ai les chaussons en même temps, c'est ce que je fais à chaque fois que je rentre. Hein. C'est du vlog dont je vous montre mon quotidien. On est quand même sur une coiffure assez improbable, mais on s'en fout, j'ai juste mis ma petite barrette et on est bon. Au niveau de mes achats, donc j'ai pris hein, ce que vous avez vu, c'est un cadeau, c'est super joli, je ne peux pas vous montrer. Le nécessaire pour faire mes spaghettis, j'ai pris aussi du soja là. Et bah voilà, hein, j'ai pris mes petits gâteaux apéro, en même temps j'ai pas le choix, il ne restait plus que ce parfum là, c'est très bon. Pépé Jack dans son habitat naturel qui fait sa toilette et nous a repéré. Mince. On va se cacher. Il faut pas qu'il nous voit, faut pas qu'il nous voit. Mais je suis sûre qu'il nous a pas vus. Tu nous as pas vus, hein? Ok, je crois qu'il me prend pour une débile. Je sais pas si je vous l'ai montré, je rajouterai ça. C'est à base de soja, c'est aussi bon que la crème fraîche, hein, et c'est sans gluten. Et les spaghettis, moi, c'est vrai que j'aime bien les numéros 5 parce qu'elles sont un peu plus épaisses. Les unes, non, c'est beaucoup trop fin, je trouve. Et pour les steaks hachés, bah, il m'en restait, je prends ceux-là, 5% de matière grasse, ils sont très très bons. Un petit peu de tomate. Je commence à avoir faim, moi, il est 8h10. En même temps, il a deux conseils de classe... les uns après les autres. Ça change des cuissardes, hein, cette tenue. Voilà, papa. Coucou, mon chat. Est-ce que ça sent bon? Ça sent la nourriture? Oui, j'ai fait un bon petit plat pour toi, mon amour. Ça sent bon, effectivement, quand tu rentres, ça sent bon. Il est 23h30. Je suis claquée, je suis en train de finir un boulot sur l'ordi, mais là, clairement, je vais tout éteindre et je vais aller... au lit. Alors ce vlog aurait été quand même relativement court, c'est clair, mais j'espère que ça vous aura quand même plu. Demain je dois tester un produit, c'est pour les débutants, ça tombe très bien, mais si ça fonctionne, ça va me changer pas mal de choses, vraiment. Donc ça, on va faire ça ensemble. Je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures dans un nouveau vlog. Merci de me suivre, salut.